Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Command & Conquer 3 à la fleur de Ken. Et nous en reprenons, c'est la dernière fois après nous être occupé de prouver à Ken que Kylian Katarr était une traîtresse. Temple Prime est perdu. Kane est mort. Comment est-ce possible? Personne ne peut remplacer Kane. Mais il est de mon devoir, désormais, de guider avec courage notre confrérie dans cette dure épreuve. Et nous n'avons pas le temps de nous lamenter. Notre chagrin doit devenir colère et il faut mettre le passé de côté. Oublions l'ascension proclamée par Kane. À partir de maintenant, seul compte la reconquête. Kane ? On s'occupera du général Katarr en temps voulu. Son manque de foi est vraiment lamentable, et elle va payer pour sa trahison. Mais pour l'instant, nous avons des problèmes plus pressants. Comment vous vous en êtes sorti ? Je n'étais pas au Temple Prime, Abbess. Ce n'était qu'un leurre. Vous vouliez que le GDI utilise le canon Ion ? Boyle a agi comme je l'avais prédit. Après tout, c'est un politicien. Et puisqu'il vient de tuer Kane, c'est maintenant un héros. Un héros ne soupçonnant pas ce qu'il vient de déclencher. Mais bientôt le monde entier va savoir. Les visiteurs approchent à l'instant même où je vous parle. Seul le canon à ion pouvait générer assez d'énergie pour créer une réaction en chaîne dans le tiberium liquide. L'énergie libérée était si extraordinaire qu'elle a attiré l'attention de nos visiteurs. Comme dans la prophétie du Tacitus. Les visiteurs construisent des tours aux quatre coins du globe, et nous devons empêcher le GDI de les détruire, parce que ce sont des portails. Des ponts vers une civilisation totalement étrangère. Nous avons beaucoup à apprendre, mon enfant. Beaucoup à apprendre. Le cœur a raison, les victimes en zone Zuzu sont nos sources sensées, des sanctuaires peuplés de soldats que nôtres pourraient lancer contre le GDI. Sans eux, ma confrérie n'est qu'une coquille vide. Mais une mystérieuse forme alien s'installe aux abords de Kampala, en Ouganda. Elle utilise une forme insidieuse au contrôle de la pensée pour asservir les populations. Ken ne saurait théorer d'autant d'instabilité en ces temps cruciaux. Éliminer ces créatures et reprendre le contrôle de la vie. Légion, on m'informe d'une nouvelle offensive extraterrestre. Des forces se matérialisent à l'intérieur des zones jaunes urbaines et asservissent leur population. Soutenir les zones jaunes est essentiel à la survie du Node. Il faut défendre ces villes, ses habitants, comme s'il s'agissait du Prophète. Entraînement. Nouvelle transmission. Légion, les visiteurs ont pris le contrôle de cette cité fidèle au Node et nous déstabilisent. Éliminez les plateformes drones et reprenez la ville. Construction terminée. Alors, nous voici en présence d'une des sous-factions des Screens, connue sous le nom de Domination. Nouvel objectif bonus. Vous ne pouvez pas rater. Les hordes mystiques ont pris le contrôle des milices de la confrérie. Tuez-les toutes pour libérer nos soldats. Voilà. Là. Unité mais... spécialisé dans le contrôle, en fait. Bah ils ont accès à plus d'unités pour contrôler les autres, par exemple ils sont TA. Bon, en gros c'est vraiment homme contre homme avec eux. Place à la vengeance. On est impatient. C'est parti. Par contre le lance-flamme sera ultra pratique contre eux. Personne n'y échappera. Ça c'est une certitude. Option pour nouvelle construction. Et leur prodige, ça remplace leur maître. Est capable de contrôler beaucoup plus de personnes. Unité je préfère vous le dire que vous ne soyez pas surpris quand vous ouvrez cette mission. Hein. C'est vraiment une bonne petite. C'est vraiment une sale bête. Bon, cependant, les troupes qu'on récupère sont des troupes. Cependant, une flamme après je sais pas si c'est un handicap ou pas, ce sont que des troubles à main noire que vous récupérez. Construction, allons voir ça. En les aidant, je vois l'embrasement. J'allais. Ça a son avantage et son inconvénient. Unité attaquée. Il
souffre. Entraînement. Entraînement. Bon, par contre, l'ennemi a tendance à envoyer. Ensemble. Oui. On a les roquettes. On a les roquettes. On les tient. On a les roquettes. On a les roquettes. Quelle grosse chaleur. Heureusement, on a Gagansuga qui reste toujours ultra efficace contre eux. Surveillez vos arrières. Ça a l'air bon. Roquettes prêtes. Les roquettes sont ici. Prudence avant tout. Si ça bouge, on tire. La liberté par les armes. Révolte. Soldats. Entraînement. Ici Raider. Tout est fin prêt, chef. Okay. Entraînement. Notre base est attaquée. Déploiement aussi. Pas toujours facile cette mission, mais... Prudence avant tout. Unité perdue. Si ça bouge, on tire. Honnêtement, une fois que vous avez un bon nombre de petits soldats, c'est bon. Personne ne peut le battre. Le scorpion est prêt. Entraînement. On a les roquettes. Combattant pour le nôtre. Ressources insuffisantes. Tout le monde à l'intérieur. On a les roquettes. Ah. À bas le GDI. On rebarricade lourdement à ville parce que c'est ultra pratique, hein, on va pas se mentir. Pour l'instant, je vous montre leur queue de production. L'ennemi s'amuse à nous les exploser, hein, tout le temps en garnison. Mais c'est pas grave. Une flamme à tant que vos troupes tiennent en fait en quelque sorte ces positions là, tout ira bien. Pour une raison très simple. Excusez-moi, je suis en train de m'occuper. On est prêt. C'est l'heure de la moisson. Le collecteur aille récupérer du bleu. Unité. Rien ne résiste aux scrolls. On ne faiblit pas. Ils sont faits. On approche. Soldats. On les tient. Voilà. On y va. On va récupérer ce que je veux qu'ils récupèrent. En réparation. On a les roquettes. Or, la mission, comme vous voyez, est assez quand même. Il y a quand même beaucoup d'action, hein. On va pas se nier. Unité attaquée. Personne ne nous arrêtera. Tombez-leur dessus. Un scorpion. Honnêtement, c'est une mission assez simple. Surveillez les chars. Unité produite. Partout produisant en permanence des troupes, c'est bon. La liberté par les armes. On entre. En construction. Unité. Bon, après, l'avantage c'est que un char en sous gamme avec 3 ça vous aidera beaucoup par la suite. En construction. Et l'établissement d'une bonne ligne de défense. Voilà, on y va aussi. Unité perdue. Unité promue. Voilà. Faire la beauté technique et rechercher le plus vite possible les missiles nucléaires pour une raison. Atomiser ça et ça. Je vais faire ça qui a ici. Ici, il faut récupérer deux autres escouades à mettre là. On a les roquettes. On a les roquettes. Les roquettes sont ici. Alors, faut savoir qu'il y a seule raison qu'ils sont tous à faire des tourelles dans ce missile. C'est que les bâtiments sont en train de céder. Vous voyez, j'ai déjà perdu 2 des 2. 4 des 5 bâtiments, même 6 on considère celui-ci qui est plus personnalisé. Celui-ci m'a tout détruit aussi. Ce qui fait qu'on a bientôt plus de quoi, entre guillemets, se protéger de l'ennemi. En construction. Mais bon, ça c'est un détail. L'oppresseur doit mourir. Bah, vous voyez. Les escouades là sont entre guillemets ultra importantes parce que c'est parmi vos hommes qui gagnent beaucoup de gains assez rapidement. La main noire. Ah, ici aussi ça scène.
Halte ! On s'arrête pas ! Et au bout d'un moment, ça s'aide un peu de partout, c'est normal. Combattons pour le Nord ! Et maintenant... Ah ah ! J'ai pas à bombe à tiberium liquide ? Pas à bombe... Unité attaquée. Bombe vapeur peut être très utile aussi, donc c'est pas un souci. Construction terminée. J'espère en fait l'implantation de Tiberium. Notre base est attaquée en construction. Construction terminée. Bon, maintenant, déployer cela. Construction. Allons voir ce cristaux. Et vu que lui n'a plus assez de Tiberium, il va aller en chercher là-bas. Donc, on commence à faire The Base de lumière. Unité attaquée. Donc, globalement, leurs assauts sont entre guillemets assez carrés. Enfin, à part au début, c'est vraiment pas carré du tout. En gros, du haut, vous aurez plein d'infanterie et d'unités aériennes. Du milieu, vous aurez plein d'unités véhicules. Mais bon. Ils peuvent toujours associer avec quelques infanteries des véhicules, donc autant mettre un obélisque de lumière avec. Au cas où. Et ce char là, même si vous ne pouvez pas l'améliorer avec les flammes de cicatrices, vous apportera vous. Il était déjà grade 1, donc il a déjà un bonus de dégâts et de résistance. Donc il sera plus rapidement grade 3. Et au final, il fait une bonne partie du boulot. Ce qui n'est pas pour nous en plaindre. Ouais, ça c'est bon. La bombe à vapeur, je la prépare. Ils ont une défense antiaérienne. Oui, ils en ont une. Donc ma bombe à vapeur ne passera pas. Pour une raison. Je l'avais déjà expliqué dans l'épisode précédent, mais je redonne la raison dans celui-ci. Il faut savoir que votre Armageddon, le transporteur donc des mines ou de la bombe à vapeur au Tiberium, est certes furtif, mais ultra faible niveau résistance. Il suffit d'un seul tir et il est mort, pour faire simple. Et donc pour éviter ce petit désagrément, si je puis dire, la meilleure technique consiste à... éliminer tout ADCA. Je sais que c'est... voilà, c'est parfois pas facile, parfois même ultra compliqué, mais c'est nécessaire, c'est même indispensable. Sélectionner aussi. Et d'ailleurs, je me demande une chose. Ouais, bon, ça sert à rien. Parce que normalement, ça protège pas des contrôles mentaux, ça. Mais je préférais. Dans le doute, je vais les mettre quand même. Sélectionner aussi. Optimisation terminée. Collecteur attaqué. Bon, pas grave. Si je perds ce collecteur là, c'est pas grave du tout. Il leur a apporté bien plus ce qu'il m'a coûté. Oui, j'ai raison de... Oui, ce business là, j'ai raison de le faire. Au final. Même si c'est vrai que c'est pas le meilleur des obélisques. Bah, par rapport à ce qu'il m'envoie en face de moi, il fait son travail. Sélectionner une cible. En fait, la seule vraie utilité que je trouve derrière, c'est que vu que ça augmente la résistance de la structure, et que mes structures sont en ligne de front, dans ce cas, ça me permet de les... entre guillemets, d'être plus résistant sur le long terme. Ça veut dire que les structures se détruisent en 2 minutes. Qui est mine de rien un plus. Et comme vous voyez, j'améliore. Je fais toutes les recherches possibles et imaginables en ce moment même. Pour une raison, c'est que cette partie-là se jouera quasiment qu'à la recherche.
Optimisation terminée. Au début, vous avez resté ultra défensif. Vous avez remarqué au début comme l'IA était ultra agressif. Ressources insuffisantes. Puis ils se calmeront. Chars, ils se calmeront. En avant. Unité attaquée. Surveillez les chars. Une des raisons, c'est probablement le manque de ressources par assaut pour supporter un effort de guerre prolongé. On est parti. Allez, c'est où le prochain raid? On les tient. Unité GPS. C'est ça votre décision, Charles. On s'en occupe. Quel gros Charles, quand on y va. On a vraiment pas une. En avant. Donc le Tiberium là nous aide énormément, on va pas gagner, hein. Ça donne un gros boost économique. Bon, à la suite, j'ai vu détruire ce bâtiment là, ce qui peut tout remettre utile en capturant, ça me rapportera encore plus de ressources. Optimisation terminée. On va se les faire. Ce qui pour moi est bénéfique, hein. Toujours plus de ressources, toujours plus de pouvoir. Ressources insuffisantes. On est parti. Allez, on y va. Et j'évite d'approcher pour une raison les différents centres. Parce qu'il faut savoir que quand vous en approchez d'un, il va partir. En avant. Personne ne peut nous battre. Pas d'erreur, s'il part. Le point, c'est que si vous êtes assez rapide et que vous détruisez, vous aurez l'équivalent du VBI, VMBI qu'on a affronté. Qui va vous arriver dans votre face. Bon, par Gao, hein. En plus il grade 3 pour pas être trop dur à tuer, hein. Vous voyez, on rend bien, on met bien au maximum ses capacités. Si ça bouge, on tire. Non, soyons sérieux quand même. Construction terminée. Faut éviter autant que possible de réveiller cette unité pour une seule raison. C'est que même avec 10 obélisques, vous n'arriverez pas à arrêter. Je vais dire que c'est. Que j'exagère. Sur vos 10 obéis, que je pense, à avis, la grande majorité, il faut y laisser. En réparation. Il faut vous préparer en fait un. Bon nombre de vertigo. Ça va chauffer. Ce qui est habituel avec moi, hein. On va pas mentir. On va se mentir. En construction. Non, je baisse le bâtiment là. Je donc vois il faut préparer un bon nombre de vertigos déjà en premier. Et une fois tous ces vertigos ben, justement préparés, opérationnels, tout ça. Construction terminée. Il faut peut-être les. Faut après. Bon, déjà les construire, ça coûte. Un bras. Entraînement. Ça, je pense que tout le monde est d'accord, hein. Soldats aux armes. Mais d'abord, je viens de voir un éclair de génie. Le professeur doit mourir. La liberté par les armes. Si jongeais tout avec des escadrons furtifs, ça devrait être fait. Non, j'en verrai que deux. Ce qui est habituel. On y va. Maintenant, si je mange tout en moi, il devrait furtif. Passer sans problème. Surveillez les chars. Et je devrais peut-être bien détruire. Ce... Nous sommes prêts. Unité attaquée. Soldats. Révolte. Bien équilibré. Voie dégagée. Comme toujours, vous pouvez capturer après sous ce bâtiment-là, mais normalement il devrait être vendre. Vous ne pourriez pas le capturer pour créer après votre drone et construire les structures aliens. Quoique, en ayant le doute, on va faire le test. Pourquoi j'ai envie de savoir ça, c'est que si jamais vous pouvez le faire, avoir des accélérateurs de croissance Tiberium sur ces deux chemins vous sera ultra utile. Pour en avant. Si c'est possible, on autant faire. Soldats! Combattons pour le node!
en attente. Annulé. Entraînement. Oh, je peux toujours faire les recherches, c'est pas des. Vaisseau transporteur prêt à décoller. J'y suis presque. Je passe ma route. Une mission. C'est bon. DJ. Vaisseau Venom prêt à décoller. J'arrive. Donc la mission sera plus longue, je sais, mais je peux pas faire plus vite. Hein. Je veux bien essayer de battre des records quand il y a des records à battre, mais je veux pas essayer de faire plus vite. Un transporteur. Trace ma route. Qu'est-ce que je fais là? Vaisseau Venom prêt à décoller. En avant. D'accord. On va vous emmener. Reçu. Par contre, si jamais je peux capturer ça et me faire je viens. Un drone unité de combat. Feu. Ouais. Confirmé. Ils vont tenir sur quoi ça? Je peux être utile. Ils ne vont nulle part. Unité perdue. Ils l'ont bien vendu. Escadron furtif. Bon, ma stratégie ne marchera pas. Pas grave. C'est sûr. Notre base est attaquée. Bien équilibré. Au moins, je préfère avoir la confirmation pour pas vous dire de bêtises. Vous ne pourrez pas mettre d'accélérateur de tout derrière. Allez, chant. Soldat. C'est pas trop grave. Abat le GDI. Unité pourchassons-les. On la prend dessus. Ouais. On ne les lâche pas. Feu. Besoin de silo. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Niveau recherche là-dedans, ça n'a pas été fait. Sélectionner le silo. Maintenant, me faire plein de tours avec plein de bombardiers vertigo. En patrouille. On les a eu. Voici la cible. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air bon. Je vais sûrement m'en faire 5, je pense, au tour. Je pense que 20 vertigo, c'est bon. Construction terminée. Optimisation terminée. Déploiement impossible. Sélectionnez ici. Ça fait 1008, ça fait 36 000 à avoir. Aux aguets. Ils ne vont nulle part. Enregistré. Ah. Confirmé. Bon prêt. Furtif en attente. Et voilà, nous avons réussi à mettre déjà une base hors jeu. Optimisation terminée. Maintenant, un coup d'arme nucléaire ici, vous mettrez la deuxième base hors jeu. Patrouilleur. Enfin, je dis mettre de la base hors jeu, c'est plus ou moins vrai. On va les avoir. Je neutralise plutôt leur capacité de défense en faisant sortir leur réacteur. Certes, c'est basé hors jeu, ça on est d'accord, celle de gauche, j'ai dégommé tout ce qu'elle va détruire de l'eau. Mais c'est plus la capacité de production qu'on vise. Pour nous faciliter la mission, comme tout. Unité perdue. Combattons pour le Nord. Construction. Ça a l'air bon. Les ailes du Nord. On a notre cible. Ah, c'est bien. Construction. Et mon missile nucléaire, je vais maintenant. Sélectionnez une cible. Unité attaquée. Missile nucléaire lancé. Construction. Tout se passe comme prévu. Ouais. Construction terminée. Leur défense est encore opérationnelle. Regardez-moi ces flammes. Leur défense est encore opérationnelle. Unité attaquée. C'est pas possible. Par ici. On y va. Unité perdue. Révolte. Techniquement, c'est pas possible que redéfense soit encore opérationnelle. En avant. Et j'ai. Ils ont moins d'énergie qu'ils peuvent avoir de structure défensive.
Rien qu'un réacteur serait déjà surchargé par ça. Donc, Confirmé. Ok. On les voit. Ils ont énergie illimitée. Ouais, ça me surprend. Je suis en train de me dire que ça serait tellement logique qu'ils aient énergie illimitée. Méfiez-vous des flammes. Plus vite. Là-bas. Zioup. Oh, c'est dommage, vous êtes coupé le courant. Faut pas les perdre. Bon, bah, dans ce cas, on va aller à l'ancienne méthode. Hein. On est parti. J'espérais pouvoir couper hors défense, okay. Mais je peux pas couper. Tout est fin, on va les débusquer. On y va. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et maintenant, on va se mettre à production en masse de vertigo. Ça a l'air bon. Tuons-les. Aux aguets. Il faut l'éliminer. Parce qu'honnêtement, on n'a plus le choix. On arrive au moment où on a besoin de produire nos meilleures armes. Bien équilibré. Il est doué comme ça. Collecteur attaqué. On élimine. Arme prête. Construction terminée. On est prêt. Ici, on met ça. Yeah. Nettoyons ça. On la prend dessus, furtif. En douceur. Voici la cible, on les lâche pas. Furtif en attente. Ah, il y aura du temps. On leur fonce dessus. Opérationnel. Enfin, arme prête. Collecteur attaqué. Unité attaquée. Le Tiberium est la réponse. Y a quelque chose. Opérationnel. Ils peuvent plus produire des véhicules légers, donc. Entraînement en attente. Annulé. Entraînement. Entraînement. Tiens qu'on soit un partout, là, ça devrait. Il a bien foutre en l'air déjà notre économie. En patrouille. Coordonnées ok. D'accord. C'est sûr. Ah. Nettoyons ça. Bien reçu. Faut pas les perdre. Non, eux ils vont tout manger par le haut. Ils ne vont nulle part. Ok. Honnêtement, vous voyez, c'est ultra simple de vous tourner en défense. Ça a l'air bon. Confirmé. Vu qu'ils ont tout mis au même endroit, c'est pas compliqué. Unité attaquée. Le corrupteur a besoin de ça. Je cherchais quelle unité avait besoin de ce bâtiment. On ne les lâche pas. Faut pas les perdre. Ouais. Unité perdue. Bien, mince. Unité promue. Nous sommes prêts. Voie dégagée. Voici la cible. Qu'est-ce que c'est? Unité confirmée. Besoin de signaux. Entraînement. Entraînement. Je suis prêt. Ah, et ici, je vais faire double spectre pour une raison assez simple. Le spectre, c'est la vie. Non, le spectre va me permettre en fait de neutraliser toutes ces structures qui protègent leur champ de Tiberium. Vérification terminée. Vérification terminée. Alors, j'admets que ça peut faire beaucoup de vertigo. Voilà, je suis déjà 10. Pourtant. En fait, quand vous trouvez face à prêt à frapper, je serai discret. Au véhicule suprême là, de chacune des fonctions. Discret et dangereux. La liberté par les camouflé à mort. Qui est gradé, parce que s'il n'est pas gradé, c'est honnêtement pas mis autant de matos. Bombardement. Et quand celui-ci est gradé, on se rend compte que il faut tellement de puissance de feu pour l'abattre que ça en devient un des glorieuse destruction. Je dis pas ça pour vous faire peur, mais c'est la vérité. Nous sommes de sortie.
il faut un nombre d'unités qui parfois... Patrouilleur reçu. Entraînement. Vous ferez pas lire, hein. Honnêtement, des moments... Discret et dangereux. Surtout que, déjà, de 1, cette unité est capable d'écraser n'importe quelle autre unité sur son bataille, donc même les avatars. La mort avance en silence. Ils ne vont rien voir pour eux. Ressources insuffisantes. Un vrai fantôme. Camouflé à mort. Quoi ? Non, je unité attaque puissance max. L'avatar, non ? Ouais, quasiment tous construits là. Donc je prends vraiment mon temps pour récupérer le matériel, le tiberium. Vertigo, vertigo, vérification terminée. Vertigo, vérification terminée. Glorieuse destruction. Et boum. Normalement avec cette sable, vous aurez des... Alors par contre, je vais tout pouvoir... bande de traîtres. Nouvelle position. Le centre névralgique est capable de faire ça. La mort. Ici nucléaire. Sélectionnez. Que la lumière soit. Bombarde A. Capacité de tourelle foudroyante, c'est pas encore trop chiant. C'est... Bien équilibré. Normalement, le prochain coup de charge explosive, ça devrait avoir. La mort avance en silence. Concentré. Bon, ça au moins, c'est bon. On dégomme ce bâtiment là, on est content. Silence. Et l'ennemi perd comme ça. Ah, non, on pourra faire ça. Et on va pouvoir construire ma dernière vague de vertigo avant de commencer à construire des avatars. Parce que oui, j'ai pas encore terminé. Je suis là. Le transporteur est là. Il brille face à la mort. Donc me reste cette structure à la détruire et ça sera bon, j'aurai tous les transporteurs. Vérification terminée. En avant, compris. Il était perdu. On vous reçoit. Il était perdu. Ouais, c'est une tire. Arme prête. Bombardement. Unité attaquée. Donc là c'est bon, les avatars se grattent toujours. Ils brillent face à la mort. Nous sommes de sortie. Donc ça, c'est bon. Par contre, faudra les détruire avant qu'ils arrivent à se poser. Les... Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Les drones, sinon ils vont construire une base en fait avec. Discret et dangereux. Bâtiment capturé. Le temps qu'ils sont ici, en fait, ils servent à rien, les drones. Faut le savoir. Mais une fois qu'ils vont les reprendre et les repositionner, là ils vont servir à quelque chose en fait. Par ici, en douceur. Et autant éviter qu'ils nous dérangent. Hein. Donc pour ça, entraînement. Déjà qu'on se reprend d'avatar, ça sera toujours utile. Hein. Nous devons partager ce d'ailleurs, ce char là peut être ultra utile pour redégommer. Hein. Prêt pour les coordonnées. Des squads là. Cependant, moi j'ai une autre priorité. Nous sommes de sortie. Quoi que vite, je peux faire les deux d'un coup. En patrouille, firmé. Ok. Compris. Sélectionnez une cible. Personne ne part avec mon cerveau. Je peux faire ça comme quelque ça. Chose. Nous avons des armes. Là par contre, je fais attention à. Évitez de les tuer tant qu'ils sont cernés la zone. Ici. Avatar prêt. Cependant, je suis en train de réfléchir à un truc, j'ai remarqué. Les buggy armorés avec l'amélioration IUM peut être ultra efficace quand même contre l'unité. La main noire. Qui va arriver bientôt. Tous sans exception. Objectif bonus rempli. Donnez mise à jour. Quel est le seul mec. Prodige. Spécialiste de l'infiltration et l'avertissement, ainsi que d'animation, a toujours cherché
à étendre les capacités de contrôle d'esprit, aussi puissants que limités des maîtres. Des années d'expérimentation, de croisement de recherche génétique ont débouché sur un résultat parfait, prodige. Une importante mutation du maître capable de contrôler non plus des entités individuelles mais des groupes entiers. Le prodige peut se téléporter par un campement ennemi, prendre contrôle de tout régiment et organiser une mutinerie sans même se faire repérer. Et déportation aussi de groupes entiers. Mystique, détermination à servir tous ceux qui pourraient se barrer la route des screens, ainsi que domination a mis au point une arme aussi torturée qu'incapable. Mystique, une version miniaturisée du prodige mutant qui s'implante directement dans le cerveau d'un humain pour la faire servir instantanément. Sa carapace imposant des screens qui distingue des mystiques, les capacités de contrôle de l'esprit limité et de la longévité relative de ces données font de l'unité toute désignée envoyée en première ligne. La mort en haut. La mort avance en silence. En gros, c'est une TA, vous m'envoyez au charbon. Avatar, prêt. Le Tiberium nous libérera. D'ailleurs, ça va être ça. Combattons pour le Nod. À l'attaque. Il ramasse le 500 fondements. Oui, plus de Tiberium. Bombardement. Ils vont y passer. Il rapporte que 500 fondements. Intéressant. Entraînement. Notre base est à l'aise. Vaisseau Venom prêt à décoller, prêt à décoller. Il commence à nous attaquer là. Vaisseau Venom prêt à décoller. Vaisseau Venom prêt à décoller. Allez, détruisez-moi ces structures là. Vaisseau Venom prêt à décoller. Vaisseau Venom prêt à décoller. Vaisseau Venom prêt à décoller. Alors les buggy ont la sécurité qui peut être ultra utile hein, pour arrêter ces unités hyper lourdes. Ce qui mine de rien pourrait vous donner quand même un bon coup de main contre ces troupes là. Ça a l'air bon, reçu. En patrouille confirmée. On faudrait ben 8 de plus, ça serait pas trop mal, on va dire une petite vingtaine. Camouflé à mort. C'est toi qui vas me tirer sur ce à droite. Comme ça, je vais bientôt pouvoir. Je suis prêt. C'est pas bientôt, je vais pouvoir. On est impatients. L'unité, il reste des choses à faire. Une mission, un objectif. L'union fait la force. Le Tiberium est la réponse. Nous en faut plus. Ça va chaud. Il reste des choses à faire. Prêt à frapper. Guidons le feu. Notre puissance est intacte. Une mission, un objectif. Discret et dangereux. Bon. Nouvelle position. J'admets qu'ils sont peut-être un tout petit peu chaud. Entraînement. Allez, j'en ferai 8 de plus et ça sera bon. Vaisseau Venom prêt à décoller. Et après on ira les... Ah attendez, je suis prêt. Faut que je réserve de l'argent pour... Faut que j'ai 5 000 en réserve. Je pense que vous en doutez. Vous savez déjà pourquoi il me faut 5 000 en réserve. Il me faut 5 000 en réserve pour pouvoir construire instantanément le Rédempteur. Plus 3000, mais bon, les 3000 ça c'est facile à récupérer et avec l'approvisionnement que j'ai, tu devrais les avoir facilement. En avant. Mais il me faut quand même une réserve de 5000. Camouflé à mort. Silencieux comme la mort. La mort en haut. Bon, on a retrouvé ce qui me manquait. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Ça a l'air bon. Bon prix. Enregistré. On les a eu. Ok. Tuons-les. On les a eu. Faut les descendre. Enregistré. On s'approche. D'accord, on les voit sur le radar. Tuons-les. Allez hop. On les détruit tout ça. Ouais. On les a eu. Tuons-les. Allez. C'est sûr. Ah, je sais même pas si le tir est parti en fait. J'aimerais bien avoir plus d'avatars quand même. Après la mission, je rallongerai énormément et je suis pas certain que ça soit ultra utile. Indétectable. J'en fasse autant en fait. On va quand même en faire
On va en faire 20 d'avatar. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est ça. De toute façon, j'ai encore aligné toutes les défenses ennemies, je vais tous les faire sauter donc. Unité promue. Bombardement ! Cible acquise. Spectre en mouvement. Ouais. Ils ne vont rien voir venir. Bon, encore, je vais sauter tout ça. Avatar prêt. Opérationnel. Honnêtement, je pense que. Ouais. Prêt à frapper. Ça va pas être trop loin du bon compte, je pense, quand même, d'unité. La mort rôde. Je suis prêt. Et nous, on va aller déloger ce ci en premier. Avatar. Opérationnel. Puissance max. En approche. Il brille face à la mort. Sous contrôle. Puissance max. Je suis prêt. Cible requise. Besoin de silo. Ils brillent face à la mort. Camouflés à mort. Ils ne vont rien comprendre. Glorieuse destruction. On élimine. En fait, l'avantage de dégommer ça, c'est que ça vous mettra la voie ouverte pour tous vos véhicules. Notamment aériens. Enfin. Ça a l'air bon. D'accord. C'est quand même plus facile d'attaquer les unités avec vos véhicules aériens s'il n'y a pas de... s'il n'y a pas de structure qui puisse les attaquer. On est parti. Qu'est-ce qu'il... Ça y est, il part. Il y a quelque chose. Pars-toi, espèce de... On suit la cible. Enregistré. On est parti. Légion. Je m'adresse à vous et à vous seul. Sachez que vous êtes... un simple réseau neuronal. Vous avez été conçu directement à partir du Tacitus. Vous êtes connecté à l'artefact et de plus. Après la construction des tours des visiteurs, le Tacitus a commencé à émettre un signal que vous seul pouvez recevoir. Vous devez le trouver, le libérer. Le Tacitus est la clé vers l'ascension et au-delà. Ne croyez pas n'importe qui. Soyez prudent, car même les gens les mieux intentionnés peuvent mal être. Nouvelle transmission. Cette présence alien menace toutes les bases du Node dans la région. Anéantissez-la. Besoin de signaux. Sans déconner. Furtif en attente. Sélectionnez une cible. Sélectionnez une cible. Nouvel objectif bonus. Missile nucléaire en cible. En construction. Mon arme nucléaire, ça va rien. Voilà, un éradicateur. Des rumeurs sur l'unité mégalithique des screens circulent ces derniers mois. Si aucune preuve tangible n'a été apportée, on raconte une créature imposante dotée de nombreuses pattes errent dans les zones jaunes. Les images spectrales, généralement prises aux abords des zones rouges infestées, montrent une bête massive dont le corps entrepôt dégage une lumière vive. Si ces rumeurs se confirment, la discrétion totale serait de vigueur. C'est où le prochain raid? Là-bas! Données mise à jour. Origine de 1959. Si on se distance incarne les penchants les plus sombres des screens, la secte d'Amination s'avère bien plus insidieuse. Formée de la Renaissance à l'art du subterfuge, mon domination 59 spécialisée dans l'infiltration, la déstabilisation et l'asservissement d'espèces entiers. Les occultes d'avant l'an 17 cherchent à prendre le dessus par la force, quitte à occasionner des bains de sang. De 1959 connaît la discrétion et pose. En terre hostile, dispositif de téléportation à partir des caisses déploie des prodiges, sorte de maître contaminé par Otimerop, et disposant de facultés mentales supérieures, qui passe la population locale sous contrôle des screens sur quelques jours. Les fidèles de 1959 sont les derniers nés pour accomplir cette mission. Leurs capacités au combat doivent être encore testées. Récemment, rattachée à la flotte minière des screens installée de l'autre côté de Pluton, cette section a activé une technologie de radar, une portée afin de localiser la première planète susceptible de l'accueillir. De plus, elle est désormais occupée d'une nouvelle forme de service, mais leur samurai de prodige capable d'être implanté directement dans le cortex cerebral de n'importe quelle forme de vie. Ces victimes acquièrent des capacités de contrôle de pensée limitées en contrepartie d'un asservissement total. La Terre va faire office de laboratoire. Ici Raider! Go! On va vous en... Regardez, le drone décolle! En attente. Oui. Construction. Système furtif, ok. Ouais.
Déploiement impossible. Option pour nouvelle construction. Unité attaquée. Entraînement. Nettoyons ça. C'est bon, ça vous prouve sa puissance, ça? Encore! Là-bas! Bien équilibré. Je peux être utile. Je voulais à tout prix vous montrer ça pour pas que vous doutiez de ce que je disais. Sélectionnez ici. J'aurais dû faire quand même plus de défense. J'ai sans légère. Unité attaquée. On peut travailler ensemble. J'ai un petit cadeau. Arme prête. On vous reçoit. Prêt à partir. Bâtiment capturé. Vite. On envoie la sauce. Voilà. On a notre cible. En attente. Voilà. Une démonstration. Le buggy a fait la partie à lui tout seul. Vous avez remarqué, mon premier avatar s'est quand même fait éradiquer sans gang de PV. Et voilà, vous avez pu en récupérer un et c'est là que vous pouvez commencer à vous amuser. En fait, c'est une fois que vous en détruisez un ou capturez un qui va commencer à mettre des soucis en fait. Cette faction. Il faut l'éliminer. Si vous envoyez l'éradicateur, c'est un peu fort. Peu importe. Il faut continuer. Le Tacitus est notre objectif. Le prophète en a besoin et vous. Vous êtes son élu. Mission. Et voilà. Bon. La mission était plutôt longue, en fait la mission en soi n'est pas dure, vous avez pu constater. Mais le simple présence de... Comment ça s'appelle une... De l'éradicateur pose un problème. C'est pour ça, vous avez remarqué, je me suis préparé pendant un long moment pour l'avoir, pour l'affronter. Et c'était pas trop ma préparation, vous voyez. Vous pouvez envoyer des vertigos sur lui. Vous en perdrez. Cependant, quand une véhicule est en déplacement, les bombes de vertigos sont pas assez précises. C'est pour ça que j'ai à tout prix attendu de le paralyser avec des buggy. J'aurais peut-être pu en faire plus au cas où. Et après, j'ai concentré ma puissance de feu dessus. Mais vraiment, voilà, c'était ultra important de faire ça. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de regarder cette vidéo. J'espère que vous avez passé agréablement en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et à ciao tout le monde. Encore merci d'avoir regardé.